Ouais. Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2023 et encore une fois, nous avons l'honneur de recevoir une personne ressource qui va nous entretenir un peu dans le cadre de notre émission J'apporte ma brique. Vous connaissez maintenant le principe, l'esprit qui est derrière ce type d'émission-là. C'est selon notre façon de voir, c'est que chacun apporte sa brique à la société. On est tous avec des talents qui ont leur place dans le concert des nations. Et donc, moi, ma façon de voir les choses, c'est que tout le monde est important, personne n'est plus important qu'un autre, personne n'est moins important qu'un autre. Le président de la République est aussi important que la femme qui vend de l'eau au bord de la route. Le ministre est aussi important que le cordonnier qui répare les chaussures dans le quartier, dans son petit cagibi. Le boucher est aussi important que l'architecte. La vendeuse de gombo est aussi importante que l'infirmière. Parce que si un de ceux que j'ai cités là n'est pas là, il y a quelque chose qui manque. Donc, tout le monde est important. Et donc, cette émission-là a pour objectif de recevoir des personnes qui apportent leur brique à la construction de leur communauté. Donc, chacun avec son talent, j'estime que la personne a une brique. Le chanteur, il vient avec sa brique, il chante, c'est important pour les mœurs. Le poète est important. S'il n'y a pas de poésie dans la vie, s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas de beau, je ne sais pas qu'est-ce serait notre vie. Donc, les talents que nous recevons, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Nous allons donc recevoir aujourd'hui Monsieur Baebo Koudou, qui vit ici au Canada comme moi, et qui va nous parler de quelque chose de fabuleux. Une organisation fabuleuse qui fait des choses extraordinaires. Cette organisation-là apporte sa brique tant ici, dans la communauté des Ivoiriens au Canada, dans la communauté africaine au Canada, et même dans la communauté humaine mondiale. Vous allez avoir le temps de voir ça. Mais avant que vous vous installiez, on va faire un petit tour, on va parler, on va écouter un peu notre pays parce que on va parler de notre pays aussi. Nous sommes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas pour autant que le cordon qui nous lie à cette terre, à notre terre natale, soit coupé, hein. On regarde toujours dans le rétroviseur, on regarde toujours en avant, mais c'est avec l'esprit de notre pays qui nous anime. Donc, on va faire un tour, on va écouter un groupe là que vous connaissez. Et puis on revient. À tout à l'heure. Et voilà, nous sommes de retour. On dit Côte d'Ivoire est zo. Ouais, Monsieur Baebo, c'est pas mal. quand vous entendez Côte d'Ivoire est zo, ça vous fait penser à quoi? Bon, c'est effectivement ce dont regorge un pays pour attirer les autres pour visiter. C'est sur le plan touristique, c'est super d'en parler, de présenter ça comme ça. OK. Bon. Je vous avais annoncé à l'entame qu'on reçoit un Ivoirien, un monsieur d'origine ivoirienne, qui se nomme monsieur Baebo Koudou. C'est avec lui que nous allons conduire cette émission-là aujourd'hui. On peut corriger un peu le prénom Eh, pardon, Babéo. Pardon. là. Est-ce que j'ai bien écrit dans le. Est-ce que j'ai bien Euh, écrit dans le. bon, dans l'appareil ici, ça sort Koudou. Oh non, Koudou, non, j'ai fait une erreur. c'est le nom de famille, Je mais vais ça dérange rectifier pas. tout de suite. Non, non, j'ai fait une erreur même. Ok. Je vais rectifier ça tout de suite. Ouh, c'est grave ça. Babéo. Ok, donc c'est Monsieur Koudou Babéo. Voilà. Ok, je vais changer. Sinon, le monsieur là, tu peux le garder juste en bas du bureau. Monsieur Koudou. Un monsieur là, c'est pour les autres.
Ah, ok, d'accord. Un bon Nous, enseignement. en Côte d'Ivoire, on dit c'est Koudou ou bien c'est Papéo. Ah, bon, c'est ça. On fait comment? On a été formaté au. Ok, voilà. C'est bon. Merci. Hey, c'est la moindre des choses. Wow. Et voilà. Ok, c'est bon. Ouh là, quelle erreur. Donc, je reçois Monsieur Babéo Koudou. Il est originaire et né en Côte d'Ivoire. Actuellement, il est citoyen allemand. Il est titulaire de licence en mathématiques, mais aujourd'hui, il est spécialiste en service client. Donc, vous les, monsieur, frère, 1 plus 1, 2 plus 2, X, tout ça là, c'est maïs pour toi, hein, on va se tutoyer. Oui, bien sûr. Parle-moi un peu des mathématiques, parce que moi, j'ai toujours eu peur de ça. Bon, il y a trois façons de mathématiques quand même. Ce que nous, on a appris, c'est ça ne nous a pas permis de fabriquer les vélos, mais c'est les mathématiques qui permettent aussi de fabriquer des vélos, par exemple. Donc, il y en a de mathématiques pour les calculs qu'on fait simplement. Que tu as dit tout à l'heure, 1 plus 1, 2 plus 2, pour permettre de mémoriser certaines choses aussi. Et puis, il y a ce qu'on appelle mathématiques appliquées qui permettent d'aller à des formules pour aboutir à une matière physique touchable. Bon, et puis maintenant, il y a les algorithmes qui viennent pour que j'utilise les banques ou bien les nouvelles technologies maintenant. Moi, mon niveau, c'est de comprendre que si je dois aller d'un point à l'autre, je peux faire un calcul, soit par distance, soit par le temps. Et puis ça me permet, bon, les mathématiques me permettent de trouver qu'il y a une logique dedans. On peut simplement faire ça de cette façon. D'accord. Maintenant, je vois ici que tu es spécialiste en service client. Quand on entend service client, service clientèle, ce qu'on a en tête, c'est allô, bonjour, ou bien bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Mais je pense que ça doit être quelque chose qui va au-delà de ça. Ça doit être, oui, c'est ça. Ça va vraiment au-delà. Ouais, ça va vraiment au-delà. La première des choses que je pourrais mentionner ici, c'est que tout le monde est client, au fait. Toi qui sers, tu es déjà client. Donc, du fait que tu te considéreras client et tu vas te mettre à la place de celui pour qui tu vas faire un service ou un produit, bon, tu dois pouvoir comprendre dans quelle pensée la personne peut être et puis être empathique, tu vas être sympathique et puis ça va vraiment au-delà. Service client, c'est toute une autre philosophie, c'est un comportement surtout. Voilà, c'est ça même, c'est un comportement. Il faut avoir la possibilité de mettre ses soucis de côté, ne pas transporter ses soucis là où on s'en va au travail pour pouvoir offrir un service de qualité. Et ce n'est pas seulement dans une boutique qu'on parle de service client. Quel que soit le travail que tu fais, c'est du service à la clientèle. Parce que ceux qui vont venir dans l'entreprise, les usagers à l'hôpital ou peu importe, je pense que c'est du service à la clientèle aussi. Ouais. Voilà. Bon, donc, il était directeur de service de distribution de UPS, tout à l'heure, Wiesbaden. C'est ça, tu as bien prononcé. Wiesbaden en Allemagne. J'ai vu aussi que tu es citoyen allemand. Donc, citoyen allemand, ivoirien d'origine, citoyen allemand qui était directeur de service et de distribution de UPS en Allemagne qui vit au Canada maintenant. Comment est-ce que ce saut-là a été fait de la Côte d'Ivoire à l'Allemagne et de l'Allemagne au Canada? Un petit résumé, parce que le Bon, parcours là, c'est inspirant aussi pour ceux qui peuvent écouter. ça peut peut-être aider d'autres à voir ce qu'il y a. Oui, ça s'est passé en trois parties de l'Allemagne. On n'est pas directement venu au Canada. De l'Allemagne, on allait faire une période. Bon, si je peux dire le nombre, hein. Je peux dire Oui, le nombre de temps, oui, OK. oui, oui. De l'Allemagne, on est passé en France, dans la région parisienne pour 3 ans.
Et c'est de la France que, bon, la famille grandissant, madame ayant d'autres ambitions, elle a voulu qu'on arrive au Canada où elle voulait vraiment résider. Et c'est là qu'on a eu une opportunité sur laquelle nous avons sauté. Il était que, c'est en 2012 au fait, en 2011, l'opportunité s'est présentée. À chaque année, il y a des autorités canadiennes qui sillonnent un peu le monde pour demander ceux qui veulent venir dans leur pays, au fait. Et nous avons eu écho à travers un ami, Jean-Louis Payet, et puis on a été interviewé et notre dossier a été accepté. Et c'est à partir de là, vous vous préparez mentalement, moralement, financièrement, et puis on est venu. En tout cas, bravo, bravo, Merci. bravo, bravo. C'est résumé en quelques minutes, mais c'est un long cheminement quand on veut parler en termes d'années. C'est plus long que 2 minutes un résumé comme ça. Il y a les péripéties, il y a l'impatience, il y a le questionnement, il y a tout ça là. Tout ça là, ça fait partie du processus. Maintenant, actuellement, tu es agent spécialisé en conseil des assurances vie. Tu es agent de l'assistance routière pour le compte du groupe GM Canada et États-Unis. Tu es cofondateur du groupe OBV Inc. Tu es promoteur spécial de la plateforme OBV Market. Tu es développeur, marketeur, blogueur et concepteur de sites web pour le compte du groupe OBV Inc. Ah, ça fait beaucoup, hein? J'ai dit beaucoup de choses. Spécialiste en conseil des assurances vie. C'est des choses qu'on entend, assurance vie, mais c'est quoi exactement? Bon, assurance vie, c'est aussi un produit. Il faut avoir une licence. Sans licence, tu peux pas conseiller quelqu'un comment il va jouer ou tout moins. Faire jouer la morale dans sa famille, puisque l'assurance vie, ce n'est pas le souscripteur qui bénéficie, c'est plutôt, voilà, les ayants droit qui bénéficient. Donc, si je vis que j'assure enfin, une partie de mon salaire, ça, c'est ce que ça veut dire, au fait. Faire une assurance vie, c'est que tu es en charge d'un certain nombre de personnes et que tu penses que après Ton ton départ. départ ton départ de la vie d'ici, ces parents-là vont toujours avoir besoin d'un certain nombre d'appuis que tu aurais apporté. Mais comme quand tu meurs avec tout, alors tu prépares au moins, tu achètes au moins un montant, puisque c'est un produit, je le disais, c'est un achat que tu fais qui sera prédisposé quand tu t'en vas et on donne ce montant-là à qui de droit, pour qu'au moins ça couvre une certaine période après ton départ. Généralement, il faut acheter pour au moins pour 10 ans. Acheter Donc, pour 10 ans, c'est-à-dire. c'est-à-dire, si moi aujourd'hui, j'ai un salaire de, prenons le cas de 2000 dollars, et puis je couvre une famille de 9 personnes, si je meurs les 2000 dollars, ça ne va plus venir par mois, n'est-ce pas? Non. Voilà. Or, cela me donnait à peu près 40 à 45 000 dollars que j'apportais chaque année dont ils bénéficieraient. Donc, je vais acheter une assurance qui va couvrir 45 000 fois 10. Ah, c'est ça. Par Ah, moi, conséquent. je pensais que quand on souscrit à l'assurance vie, le jour qu'on est mort, le montant qu'on dit que ça va engranger là. Moi, dans ma tête, on donne ça à la famille. Bon, quand tu vas mourir, c'est pour 100 000 dollars par exemple. Pour moi, dans ma tête, on prend les 100 000 là et puis on donne à la personne, on donne à la famille. C'est pas ça. Si, c'est ça, mais les 100 000 ne peuvent pas suffire. Il faut diviser 100 000 fois 12. Ça fait combien tu trouves par mois? Moi, je pensais qu'on divisait ce montant-là en fonction du nombre de personnes qui Non. sont. Non, non, non. C'est en fonction de ton apport à la famille. Oui, mais par exemple, pour quelqu'un qui a souscrit à une assurance vie, parce que moi, j'ai fait, on dit 100 000, 200 000. Donc, pour moi, 200 000 là, le jour que je disparais, on divise les 200 000 là en quatre et puis on donne à mes enfants 50 000, 50 000 chacun.
et puis c'est Non, fini. non, non, ça, maintenant, il y a une autre partie. Non, on donne le Ah, montant. Le montant, le qui de droit, là, puisque si tu as fait une liste, d'accord. Mais si tu as fait dans la liste, le premier, la première personne qui doit recevoir reçoit la totalité et qui va faire la distribution. Mais ici, tu peux acheter n'importe quel montant. Moi, j'ai pris le cas de celui qui voudrait que pendant 10 ans, au moins, sa famille bénéficie des 2000 dollars que tu apportais par mois. Ah, mais c'est fantastique, ça. Donc, après ton décès, ils ont un montant, ils peuvent gaspiller ça naturellement, mais ils ont un montant qui pourrait leur faire vivre comme si tu vivais encore pendant 10 ans. Ah, mais ça, c'est intéressant. On va parler après encore. Je vais compléter. Non, Okay. c'est vrai. C'est vrai. OK. On n'arrête jamais d'être parents, hein, jusqu'à notre dernier souffle, hein. On se sent toujours parents. Ensuite, agent de l'assistance routière pour le compte du groupe GM Canada. C'est quoi, hein? GM Canada. General Motors. OK, d'accord. OK. Bon, maintenant, on arrive tranquillement à l'objet de notre émission. Cofondateur du groupe OBV Inc. C'est quoi OBV Inc.? Est-ce que c'est mon drapeau là? Oui, c'est parti de là, c'est parti de là, hein, Oblacio, Balista Vista, c'est une autre façon de dire que nous sommes un lanceur de dynamique, de dynamisme, et puis nous sommes imbattables, au fait. Mais c'est parti de l'idée de orange, blanc, vert, justement. OK. Maintenant, c'est devenu un outil de combat pour avancer dans la vie. Voilà comment je peux résumer aujourd'hui le groupe OBV. C'est l'idée d'un monsieur, il s'appelle Franck Kwame Olivier. Il est aussi au Canada. Bon, je ne sais pas si c'est cette partie, je vais dire comment est né le groupe OBV, Mais c'est ça? c'est bon aussi de savoir parce que on voit un produit, on voit quelque chose qui défile sur les réseaux, on est dans un groupe, les Ivoiriens du Canada, on voit passer. C'est bon aussi de connaître L'origine. l'historique et puis quand c'est comme ça, là, ça donne encore plus d'importance même à la chose parce qu'on sait que c'est parti d'un point A pour aller vers un point B. Et puis l'objectif, c'est aller vers un point C ou D. Donc c'est bon de C'est ça. savoir l'historique aussi. Franck Kwame, D'accord. là, c'est lui qui Oui. m'a appris à, c'est lui qui m'a montré cette application de StreamYard, là, et puis qui m'a formé Ouais. rapidement un soir. Et puis depuis là, j'ai fait ça. Ça fait un an pratiquement Super. maintenant. Bon, il est fabuleux, Ouais. simplement, il est simplo fabuleux pour moi. Donc, il s'est trouvé que moi, je ne savais pas le groupe du Canada, les Ivoiriens du Canada au départ. C'est un ami qui m'y a invité. Et comme je suis marketeur, c'est-à-dire je rends simple ce qui est moins ce qui est compliqué. C'est ça le marketing ici. Donc, je cherche à tout prix à communiquer avec les autres pour leur dire ce que je peux faire pour eux. C'est dans ce cadre-là que je publiais généralement mes affiches de conception de sites web dans le groupe. Et Franck Kwame aussi, il a les mêmes traits, il a les mêmes objectifs que moi. Et après deux ou trois publications, il m'a contacté directement, il m'a appelé. Il m'a dit que Koudou, tu fais la même chose que moi, ben, et on est dans le même milieu, dans la même communauté. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on s'asseye ensemble pour aller dans la même direction? J'ai dit, mais waouh, moi je rêve que de ça. C'est comme ça, c'est parti le contact de Franck Kwame et moi. On a fait donc le groupe, voilà, on a fait le groupe à deux. Et puis, je pense 4 semaines ou 5 semaines plus tard, il a aussi repêché quelqu'un d'autre dans le même état d'esprit et qui est Félicien Anaka. Et lui aussi, il est développeur, il est programmeur développeur, il est un peu à un niveau supérieur que moi dans la conception. Moi, je suis concepteur, si tu veux, graphiste et ainsi de mélanger, mais lui, il fait des codes. Moi, j'utilise les codes que je trouve pour les utiliser et puis les rendre utiles. Et voilà.
Chacun Donc, a c'est comme ça, sa né, voilà, c'est comme ça, nous, le trio, et on avait déjà le nom quand Félicien venait, mais il n'a pas boudé le nom du tout, et bon, on l'a rendu entreprise pour que ça fonctionne de belle manière, et c'est, voilà l'origine un peu du D'accord. OK. groupe J'ai Opéra. déjà deux personnes qui sont là. Bonicile, bonjour, ma fidèle. Bonjour, monsieur Jean-Luc Gigot, mon tonton. Toi, tu es mon tonton. Je dois toujours dire ça. Voilà aussi un grand cerveau qui est ici au Canada avec nous. C'est mon tonton. Et on ne montre pas son visage à la main gauche. Donc, mon tonton, là, il est très intelligent. Et puis, de toute façon, c'est vrai. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Bon, on a parlé de OBV Market. Market, quand on entend market, pour le petit anglais qu'on connaît, on sait que c'est marché. C'est quoi exactement OBV Market? Okay. OBV Market, c'est un des produits du groupe OBV Inc., puisque nous en avons un peu plus de quatre. Et donc, OBV Market, ici, c'est une plateforme pour ceux qui vont penser que c'est simplement en ligne, mais aussi c'est une marché qu'on appellerait un supermarché. Un supermarché en ligne et qui a son modèle de fonctionnement que nous allons déployer ici. C'est là même le sens de l'interview que tu me fais aujourd'hui pour que les uns et les autres comprennent comment l'utiliser. Oui, c'est ça. Bon. Donc, c'est une plateforme sur laquelle tout client ou toute personne cherchant quelque chose, surtout dans l'alimentation africaine, ivoirienne, vous pouvez aller sur ce site et puis faire des achats. Et le sens premier ici, c'est que celui qui achète va être tout de suite attiré par le message que nous passons, qui est que si tu achètes, nous, ça dit tu fais l'achat, mais au fait, on fait ton paquet, on arrange tout pour toi. Et on livre à qui des droits que tu auras choisi. OK. Donc, en même temps, Oui. c'est un marché, mais ceux qui opèrent sur ce marché, ce sont des coursiers. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, les éléments qui travaillent pour la plateforme OBV Market agissent dans le sens d'être coursiers de tout acheteur. Donc, Bon. tu es à la maison chez toi, tu Oui. fais ton achat. Nous, toi, tu as fait virtuellement. Donc, on prend les éléments qui sont dans ton panier virtuel et puis on achète ces produits-là physiques. On en fait un paquet. Si tu veux qu'on livre ça à ta maman ou à ton papa ou à un parent, on leur livre ça. Et puis, bon, nous, on est responsable de tout ce qui tournera autour de ton achat pour OK. ne pas qu'il y ait de pertes. Peu importe l'endroit sur où la personne se trouve sur la planète. Non. Oui. On a encore cette capacité-là. OK, on Voilà. continue quelque Seul Amazon peut faire ça pour le moment, mais part. nous, c'est limité, la livraison est limitée au territoire ivoirien, OK. c'est-à-dire dans Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Wow. Bon, avec le lien que tu m'as donné, on va aller essayer de voir un peu à quoi ressemble la page de OBV Market. En tout cas, je vous garantis que c'est très beau. On va y aller pour que les autres voient un peu à quoi ça ressemble et puis qu'on voit la grandeur du travail qui a été abattu. Voilà, nous sommes sur la page OBV Market. Voilà à quoi ça ressemble. On peut parler, hein. Ok, d'accord. Là, sur cette boutique, nous avons pour le moment deux onglets spécialement montrés. La boutique elle-même, si on clique l'onglet boutique, on va dans tout ce qui est donc produit à acheter. Et Ici. puis, il y a un onglet qui s'appelle Deal, là-bas, et on a des partenaires qui font la promotion, dont on fait la promotion de leurs services et produits. OK. Je vais essayer de monter.
On voit bien les produits. Oui, moi je vois. Donc, je OK. vois box, cadeaux, aliments. Ce sont les... OK, c'est un ensemble de produits. Nous faisons. Bon, l'idée est venue. Les box remplissent généralement notre modèle d'affaires que nous avons ici, parce que le modèle d'affaires, c'est de permettre à tout Ivoirien ou à toute personne qui a des intérêts en Côte d'Ivoire et qui se trouve à l'extérieur et qui a l'intention de supporter en aliments, par exemple, ceux qui sont restés au pays. Alors, il fait son panier lui-même, il peut remplir un panier et puis on constitue une box pour lui et aller livrer à ses parents. Mais aussi, on trouvera déjà sur cette boutique-là, on trouvera déjà des box constituées d'un nombre de produits variés. Il y a plusieurs produits qui constituent la box. La personne qui clique va savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette box-là et puis fait son achat. Nous, on constitue la box physique au pays pour livrer à qui de droit. Bon, je vois par exemple ici, là, box cadeau famille, 135 $ 30 sous. Oui. C'est composé de quoi? Si on clique dessus, est-ce qu'on peut voir c'est quoi ou... Justement, quand tu cliques dessus, c'est là que tu vas voir la liste de tout ce qui constitue cette box cadeau famille. Va vers le bas. Ah, description. Oui, clic description. Normalement, voilà, la liste devrait venir sans que tu aies cliqué. Voici ce qui compose cette box-là. Riz, rizière, long grain, bois de tomate, pâte, poulet de chair, Côte d'Ivoire, pâte de bœuf fumé, une plaquette de 12 œufs, spaghetti, savon, savon liquide, huile raffinée d'inor, igname ponant, tubercule. Mais waouh, mais c'est incroyable! Waouh, mais je découvre! Je découvre. Eh, mais vous avez fait du travail. Eh, mais c'est incroyable. Allô? Oui, je suis là. J'écoute tes commentaires. Oh non, mais c'est... Comment ça? Donc, cette liste-là que tu viens de citer, qui vont se retrouver dans la box physique qu'on va livrer aux parents à qui de droit. Mais vraiment, c'est... Donc, les catégories de produits, il y a alimentation, beauté, santé, bien-être, boisson et alcool. La Mais box ça vient, surprise, là. voilà, on augmente chaque fois. Puisque ce n'est pas aussi dans le vide les produits qu'on y met. Ce sont des produits qui, il faut être sûr qu'on va les trouver avec nos partenaires qui les ont au pays. Parce que tous ces produits ne sont pas ailleurs, ils sont au pays. Voilà. Donc c'est sur le marché ivoirien, avec, on a des partenaires, par exemple, les poulets Côte d'Ivoire, on est en partenariat. Dès que tu achètes ça avec eux, on achète, par exemple. Et puis, les confitures que tu vois. Donc, généralement, ces produits, on sait où les trouver. Donc, c'est un peu comme ça. Oh non, mais hey, il faut voir pour croire. On est capable de faire des choses incroyables comme ça. Maintenant, dans Obeveddil. Là-bas, pour le moment, il y a trois partenaires Mmh. qui accordent donc leur confiance de publier leurs services et produits. Il y a Erika Cosmétique, il y a le bureau et conseil qu'on appelle BFCD. Bon, quand tu cliques, tu verras tout ce qu'ils font. Et puis, il y a Vigno, la boutique Vigno qui vend exclusivement que les vins importés. Avec le contact et tout. Mais c'est du travail, ça. Mais ça vous a pris combien de temps pour mettre sur pied ce joyau-là? Ça peut prendre 2 mois pour arriver jusque-là, mais ça va continuer puisque les catégories des produits vont évoluer dans les ustensiles de cuisine, dans les produits liés aux salles de bain, des jardins, des maisons et même d'autres services. Donc, c'est évolutif au fait. Oui, j'ai vu tout à l'heure là, j'ai vu, je ne sais pas si je vais revenir, voilà, j'ai vu formation et scolaire.
Oui, là, ça, c'est des kits scolaires pour le moment. C'est des kits scolaires, puisque toi, par exemple, tu es ici et que tu as un neveu qui va faire telle classe, par exemple, et donc tu voudrais leur offrir ce kit scolaire au lieu de donner l'argent à un tonton qui va défalquer une partie. Tu nous confies cet achat-là, on achète le kit scolaire que tu auras souhaité et puis on va lui livrer. Mais c'est une idée de génie, ça. Eh, il fallait y penser, hein? Vraiment. Oh, je reviens encore pour voir un peu. Je vais arrêter ça. On va avoir le temps de retourner. Donc, je viens pour voir pour voir ton visage. Eh, mais c'est fantastique, c'est fabuleux. Merci. Monsieur Jean-Luc Digot demande, est-ce que vous livrez à Ouragayo? Et puis, quel est le délai de livraison? Pour l'intérieur, bon, chaque fois que tu choisis, puisqu'il y a des catégories de livraison, Grand Abidjan, c'est dans la même journée, si tu as complété ton achat. Donc pour l'intérieur, ça peut être dans les 48 heures. Donc, on livre à Ouragayo, oui. OK, S'il donc fait là, son achat, on va aller livrer ça à Ouragayo. à Ouragayo. Mais là, mais si on doit livrer à Ouragayo, est-ce que y a un partenaire à Ouragayo ou bien ça va partir d'Abidjan vers Ouragayo? Il y a le transport Ça va ici. partir d'Abidjan vers Ouragayo. Ceux qui font ces transports-là, bon, on a déjà des Des liaisons. partenaires. Voilà des partenaires à qui on confie spécialement nos produits. Ici, il faut dire que toute la team OBV, OBV Market d'Abidjan, sont totalement responsables. Donc, vous ne perdez pas votre argent du tout. S'il y a quoi que ce soit qui se casse, que vous n'êtes pas d'accord, vous rebroussez chemin, on vous donne votre argent ou on vous livre là où vous voulez, sincèrement. Donc, c'est le sens que nous voulons donner à ce travail-là. Je suis bouche bée, tellement c'est ingénieux. C'est vraiment fabuleux. Et donc, comme il dit là, c'est une très bonne idée, surtout pour les kids scolaires. Là, on sait très bien comment quelqu'un va recevoir de l'argent. C'est souvent pas de mauvaises intentions. La personne a un problème ponctuel. Là, elle peut dire, bon, je vais prendre dedans et puis après, je vais rembourser. Et puis après, ça devient compliqué. Tout le monde n'est pas forcément malhonnête, mais on sait que des fois, l'argent qu'on remet pour quelque chose, souvent, ça n'arrive pas à bon port. C'est Donc, ça. envoyer de l'argent pour acheter le kit complet, mais c'est vraiment, ça met tout le monde à l'abri d'une quelconque compromission après. Donc, vraiment, je trouve que c'est une idée excellente et puis ça mérite d'être encouragé. Vraiment, vraiment, vraiment. Maintenant, moi, je suis ici. Non, non, non. Par exemple, quelqu'un à Boaké. Et la personne connaît l'existence de OBV Market. Donc, ça ne se limite pas seulement aux gens qui sont au Canada. Non, non, C'est-à-dire non. que c'est, voilà, c'est, tout le monde peut avoir besoin de ce service-là s'il est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis à Boaké, je suis à Oudéné, ma famille est à Abidjan. J'ai dit, bon, OK, on me dit, ah, vraiment, tu devais venir, ça fait 3 jours que tu n'es pas venu, bon, il n'y a rien à manger et tout, c'est un peu dur. Bon, je vais envoyer l'argent. Bon, OK, j'appelle OBV Inc. Je vais dessus, OBV Market, je vais dessus, je commande mon box Ouais, famille. voilà, tu fais ton panier. OK. Maintenant, quand je fais ça, parce que je vois que les prix sont en dollars canadiens. Non, il y a Est-ce que. trois. Non, il y a prix CFA, euro et Ah, j'ai dollar. pas fait attention. OK, d'accord. OK, ça répond à ma question. Je voulais dire, mais c'est en dollars, comment est-ce qu'on fait? OK. Maintenant, le dollar, là, le montant en dollars, c'est nous qui sommes ici. C'est-à-dire que moi, si moi, je vais envoyer un kit à ma famille. C'est le montant que moi je dois débourser ici au Canada. En dollars canadiens, oui. Dollar canadien. D'accord. Maintenant, si pour quelqu'un qui est en France, par exemple, ma soeur là, elle est en France et donc elle veut faire la même chose, elle vient sur Oui. le truc et elle va payer en euros. C'est ça? Oui, ça dit avant, quand tu vas sur la partie d'achat là, tu choisis la monnaie. Il y a trois OK, monnaies pour le attends, moment. on va retourner. OK. Je ne sais pas si je peux Tu faire. choisis n'importe quel produit et tu vas voir que les trois monnaies s'affichent et tu fais le choix de ta monnaie d'abord pour t'assurer que c'est dans cette
intervalle de prix que tu voudrais faire ton devis, quoi, tes dépenses. Oh, mais je trouve ça vraiment, il fallait y penser. Souvent, on se demande, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, les gens, mais je pense, moi, je fais souvent des choses, les gens me disent, mais comment tu as fait pour penser à ça? Mais j'ai envie de vous demander comment vous avez fait pour penser à ça? Parce Bon. que vraiment, c'est. Non, 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 c'est fabuleux. Ah oui, je vois, c'est ici, là, à l'extrême droite, Oui, de là mais vers la tienne. clique d'abord un produit. Clique n'importe quel produit. OK. Va vers le bas de cette page. Clique un produit. Je vais cliquer sur ajouter au panier. Non, non, voilà. Ou, par exemple, là, à partir de là, tu vois le drapeau canadien qui est là, Oui, en oui. bas du prix là. Oui. Clique sur montre du doigt. Voilà. C'est là, tu choisis le CFA là qui, voilà, c'est celui-là, par exemple. Et il va te donner le prix en CFA. OK. Là, c'est seulement le sac, hein. Il n'y a pas de fourniture dedans, Non, hein. non, non, ça c'est le complet de Le sac. complet, mais C'est un c'est gros beau et puis sac. c'est moins cher en plus, 11 000. Non, non. Oui, Oui. 11 825. Oui, c'est bien ça. Tu as C'est vu juste. bon prix. En tout cas, en euros. En euros, c'est encore moins que le dollar. Ben voilà ça. Patate. Et Oh. en ce moment-là, tu ajoutes au panier et puis bon, tu fais ton achat et que ça sera cette monnaie, cette somme-là qui sera dépensée donc. Ah, vraiment, bravo, 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 bravo. Oh non. Oh, attends. Et puis, le site, c'est tellement beau en plus, les couleurs, les dispositions, c'est tellement joli. Ouais. Combinaison d'inspiration de trois personnes. Comment, à commencer par Félicien. Vraiment, bravo, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très beau. Maintenant, ici, on a les contacts. Comment nous joindre? Comment vous joindre? Oui. Moi, c'est Montréal. Ça, c'est. Ok, d'accord. Oui, on a mis puisque l'équipe responsable de toute réclamation se trouve au Canada. Oui. Donc, c'est pourquoi ici, vous ne pouvez pas voir les contacts de la team d'Abidjan. Voilà, eux, ils font les rapports. S'il y a quelque chose, ils font les rapports, mais les premiers responsables sont ici, au OK. Canada. Donc moi je suis à Abidjan. J'ai décidé d'envoyer le panier famille à ma famille depuis Odienné. Moi je vais joindre OBV Market en ligne et puis c'est OBV Market qui va donner mon contact à ceux qui sont à Abidjan. Ceux d'Abidjan. OK. OK. Mais déjà, quand tu fais ton achat, puisque quand tu vas compléter, il y a une partie où tu fais tes données sur la personne à qui tu veux qu'on livre son contact, tu donneras, et toi-même, ton contact aussi. Donc, à partir de là, l'équipe d'Abidjan connaît déjà qui vient d'acheter. Et quels sont ses contacts ou ses coordonnées? Et tu reçois une notification après ton achat, comme quoi on a reçu bien ta commande et nous nous préparons. Et après livraison, on te fait le rapport. Vraiment, comme quoi Internet, là, on a besoin de ça partout maintenant. Hein. C'est devenu un outil incontournable qui fait partie de la vie quotidienne. On ne peut pas s'en passer. Donc, il faut qu'on se donne les moyens d'avoir la possibilité de pouvoir aller en ligne toujours. Parce que ce n'est pas seulement venir se mettre sur les réseaux sociaux pour insulter. Ce n'est pas ça seulement qui est une utilisation de l'Internet. Aujourd'hui, là, tout se fait en ligne. Surtout nous qui sommes ici, là, on ne va pas dans un endroit pour aller acheter sa facture de courant ou bien sa facture de quoi que ce soit. Tout se fait en ligne. Donc, c'est un outil qui est devenu aujourd'hui nécessaire. Ce n'est plus un luxe d'avoir Internet chez soi. Donc, il faut qu'on donne la possibilité à tous les citoyens du monde de pouvoir avoir accès à cet outil-là. Donc, voilà, les couleurs sont tellement belles, tellement, tellement, tellement belles. C'est vraiment beau. Félicitations. Vraiment, je n'ai pas. Oh, c'est joli, c'est joli.
Bon, tout à l'heure, là, je n'avais pas. Ok. À la recherche d'un produit en particulier, contactez-nous. La surprise, la box OBV, du vin importé. Mais les box, là, les cartons, là, Oui. c'est qui les fabrique, je veux dire. Bon, ça, les box ici sont représentatifs selon le panier qui sera constitué, pas forcément dans les Ok, box. ah d'accord. C'est pas cette boîte-là que les gens vont Non. recevoir, c'est juste Voilà, pour les matérialiser. livraisons se font en ce moment là où toi et moi on parle. Oui. C'est de constituer en sac, hein, bien fabriqué d'ailleurs. Et puis, la livraison se fait directement, pas forcément dans les cartons où c'est écrit box. C'est vraiment. Je n'ai même pas envie de quitter, même tellement c'est beau. Voilà. Tu auras le temps de visiter la boutique et puis te faire une idée. Non, franchement, je suis agréablement. Je suis contente même de n'avoir pas regardé avant qu'on ne vienne ici. Comme ça, je découvre au même moment que tout le monde. Ça fait que je suis encore plus. C'est vraiment une excellente idée. C'est vraiment, il fallait y penser. Félicitations, toi tu es là, tu es là ici, la félicitation. Félicitations aussi à Franck Kwame et puis à Félicien. C'est Félicien, Lucien? Félicien. Félicien, vraiment, vous avez fait un travail incroyable qui mérite qu'on en parle et qu'on en parle, qu'on fasse la promotion de ce produit-là. C'est révolutionnaire. Aujourd'hui, là, on limite les déplacements. Tout se fait en ligne maintenant. Avec un clic, on a ceci, on a cela. On peut commander des choses à Dubaï, on peut commander des choses. Au Sri Lanka, tout en restant dans sa maison à Cocody. Et puis on reçoit. Donc le monde, là, c'est devenu aujourd'hui un village véritablement planétaire. Et avec cet outil Internet qui est très important, là, il faut que les populations puissent avoir accès à ça à moindre coût et que ça ne soit pas un luxe. C'était peut-être un luxe il y a peut-être 10 ans, mais aujourd'hui, en 2023, l'Internet ne devrait pas être un luxe pour les populations. Oh, vraiment, je suis tellement contente que. Bon, on va parler un peu de là où tu vis. Tu vis dans la province du Manitoba à Winnipeg. La magie de l'Internet a fait que, quoi qu'étant à Winnipeg, quoi que les autres soient dans la province du Québec, vous avez réussi à communiquer. Comment est-ce que ta vie, comment est-ce que tu réussis à pallier ta vie familiale, ta vie professionnelle et le marché OBV Market? Comment est-ce que tu réussis à jongler tout ça? Bon, ça a devenu une habitude. Bon, je vis dans une province que j'appelle mon gros village. Il n'est pas bruyant, il n'y a pas de métro ici, c'est pas comme Montréal ou Québec là-bas, mais vraiment large. Pour traverser mon village ici, tu peux mettre 1 heure en voiture pour traverser le village. C'est que c'est très grand. Et à peu près 1 million d'habitants. Depuis que j'ai quitté l'Europe avec la famille, c'est ici encore, je suis, ça fait maintenant 10 ans que nous vivons ici. Je travaille maintenant de la maison parce que, en tant que conseil, c'est en ligne généralement. Donc, je travaille sur deux pans, Canada, États-Unis. Donc, ça va. Je ne sors pas de la maison généralement au cours d'une journée, mais quand je finis le travail là, je peux sortir pour marcher un peu. Et les autres courses, ça va. Et je suis encore, pour le moment, quoique je ne veuille plus, mais je suis encore le président des Ivoiriens de cette province-là. Ah, ok, d'accord. Maintenant, moi, je suis ici. Je suis ici, j'ai envie de manger de l'igname ponant. Je peux commander sur Oui, OBV Market et justement. puis on me reçoit Oui. quand on est libre chez moi. Oui, justement. Donc, il y a des épiceries africaines avec qui vous êtes en partenariat, c'est ça? Oui, justement. Pour aller plus vite, c'est ici, c'est le sens de d'avoir d'abord les points où on va les acheter, c'est pour aller plus vite. Donc, il y a un certain nombre d'épiceries qui sont répertoriées, avec qui on a déjà parlé. Et dès lors qu'il y a un achat, l'équipe se dirige directement là, ils font les achats. C'est aussi une plateforme pour faire la promotion d'un certain nombre d'épiceries ou même d'un certain nombre de fournisseurs Oui, au pays. absolument. Par exemple, je vais juste dire le prénom de la personne, Koné.
qui a une ferme. OK, il a une ferme non loin d'Abidjan, à 150 km. Mais du fait que je l'ai appelé, je lui ai présenté la plateforme, bah, il a trouvé fabuleux. Désormais, celui qui veut les poules dures, comment on appelle ça? Poules Les dures. pondeuses. Les pondeuses, par exemple. Que tu veuilles ça fumé ou frais, directement, c'est Kone j'appelle, enfin, que l'équipe va appeler. Et lui, c'est une opportunité de pouvoir vendre ses poulets. Donc, c'est aussi une façon de faire la promotion de tous ces fournisseurs-là. Ok, vraiment, c'est. C'est tellement chic que je ne sais même pas. Je sais, bon, quelqu'un qui est en Russie, un OK. Ivoirien qui est en Russie, qui a vu, qui va voir notre émission et puis qui veut envoyer le kit à sa famille, il va payer en euros, c'est ça ou comment? Bon, là, pour le moment, il va faire son calcul, qu'il est le yuan ou le dollar américain. Bon, il va faire son calcul Ok. pour pouvoir faire l'achat. Ah, vraiment, c'est formidable, c'est formidable. Vraiment, y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire la promotion de OBV. Parce qu'on est tous concernés. Ça nous concerne tous. Trois de nos frères ont décidé d'apporter une brique à la construction de notre communauté ici au Canada, mais aussi notre communauté en Côte d'Ivoire. Et ils méritent qu'on les encourage. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de c'est beau. Le site est très beau. Le produit est révolutionnaire et on devrait pouvoir l'expérimenter au moins une fois. On devrait pouvoir en parler autour de nous. Plus on va faire en sorte qu'un grand nombre de personnes sachent l'existence de ce marché en ligne-là, plus ça va faciliter la vie, plus ça va donner la tranquillité. Parce que tu te dis, ah, mais bon, ma maman n'est pas trop en forme, il n'y a personne là, je vais envoyer l'argent, ils vont bouffer. Bon, tu as besoin d'envoyer des vivres à ta maman, mais tu te mets sur OBV, chose, sur OBV Market, tu fais ta commande et puis ta maman reçoit ces choses tranquillement à la maison. Moi, je trouve que c'est vraiment, il fallait y penser. Il fallait y penser. Oui, c'est ça, Jean-Luc Digo, effectivement, il dit c'est dommage que nos médias. Attends, je vais mettre un. Non, je n'arrive pas. Je n'ai pas la possibilité aujourd'hui. Pourtant, c'était possible. Il dit, c'est dommage que nos médias ne s'intéressent pas aux créateurs et concepteurs, mais plutôt aux buzz qui abrutissent notre jeunesse. Absolument. Ça, là, c'est vraiment, c'est fabuleux. Est-ce que vous avez, voilà, ça tombe bien, même, il a bien dit ce qu'il vient de dire là. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce que la promotion se fait là-bas? Est-ce qu'il y a un certain nombre de personnes qui savent que OBV Market existe? Est-ce que les Oui. journaux. Bon, pas encore de façon broad, mais nous préparons donc les affiches et puis les spots, les spots publicitaires pour que ici, notre cible au pays, c'est attirer les fournisseurs à pouvoir nous présenter leurs produits qu'on met dans la boutique. C'est gratuit pour eux. Voilà. Si toi, par exemple, tu as ta cousine qui fait de la tchéké, puisque on vend aussi de la tchéké, soit en panier, soit en kilo, soit selon les boules. Mais si elle dit, OK, je voudrais que vous mettiez mon produit, ou du moins, du fait que vous vendez aussi à tchéké, s'il y a des achats, bon, contacte-moi. Donc, ça, c'est le premier cycle pour attirer les fournisseurs. Et le deuxième cycle, comme tu l'as dit, tu peux être de la Côte d'Ivoire, mais tu es à Abidjan ou tu es à Korogo, et tu voudrais d'un autre lieu que tes parents reçoivent un colis qui leur permettra de manger pour la semaine, par exemple. Donc, tu fais ton panier, nous on rend ça physique et on leur livre. Mais pour le moment, les affiches publicitaires sont en préparation. Ok, vraiment bravo. Donc, j'exhorte tous ceux qui vont écouter cette vidéo-là de la partager dans vos réseaux. Hein? C'est la façon qu'on a pour pouvoir permettre à d'autres parmi nous d'être heureux. Permettre à une personne qui ne sait pas que ça existe, or qui a besoin de ce service-là. Parce que souvent, on ne sait pas que
tel ou tel service existe alors qu'on en a besoin, mais on ne sait pas. Une fois qu'on découvre ça, on dit, mais c'est fabuleux. Chacun devrait être quand même celui qui va pouvoir faire la promotion de ce service-là que des frères ont mis sur pied, qui va nous rendre service à nous tous. Donc, si vous tombez sur cette vidéo-là, je vous en prie, partagez-la pour que les gens puissent avoir l'information. Parlez de ça autour de vous. Ça va permettre à certaines personnes d'en avoir besoin. Peut-être que vous-même, de façon indirecte, vous allez pouvoir retirer des, vous allez pouvoir retirer des bénéfices de ça. Et donc, c'est comme ça qu'on s'entraide dans la communauté. Partager, c'est tout juste un clic. Tu partages ça dans tes réseaux et puis ceux qui peuvent en avoir besoin vont pouvoir profiter. Tu auras fait œuvre utile comme ça. Ce n'est pas un, c'est pas un truc pour faire du buzz, ce n'est pas un truc pour insulter quelqu'un, ce n'est pas pour clasher, mais c'est pour apporter un plus à notre communauté. Et nous en sommes tous bénéficiaires. Là, on est en train de tirer à la fin de notre émission. Ça va tellement vite. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bonjour, Élise Coco. Voilà une grande commerçante qui fait la promotion de la Tieke ici, Tieke Choco. Vraiment, c'est très bon. J'ai déjà eu à consommer ça plusieurs fois. C'est très bon. Est-ce qu'elle fait partie de vos fournisseurs? Elle est ici. Oui, elle est ici. Bon, donc, comme le sens n'est pas peut-être ça, les produits qu'on achète pour vous ou pour nos clients, ces produits-là sont au pays. Mais si moi, comme j'ai tout à l'heure, je disais, si moi j'ai envie d'avoir un produit ici, est-ce oui. que je peux, voilà. Oui, justement, dans le sens contraire, donc ça peut venir, tu veux avoir un produit ici, mais on va l'acheter soit ici pour toi, soit de l'autre côté, mais bien sûr. Mais on n'a pas encore contacté Tieke Choco pour voir si on peut faire la promotion aussi de ces En tout cas, c'est très bon. Et ma fille, il faut profiter en même temps. Il faut le contacter après. Oui, oui. Il faut le contacter après. Il faut contacter Franck Kwame, qui est dans le groupe. Il fait partie des concepteurs de Market. Comme ça, ton produit va être dans leur liste. Parce que moi, j'ai consommé ton produit. Je peux en parler. C'est très bon. Franchement, c'est très, très bon. Et elle a un excellent service à la clientèle. Ça, je peux le dire. Super. Oui, je vais rendre un témoignage. J'ai acheté une fois, j'avais commandé un carton. Et malheureusement, toute la commande n'était pas bonne. Okay. Et puis, je l'ai informée. Elle s'est excusée. Elle m'a appelée, s'est excusée. Elle a expliqué pourquoi le produit n'était pas conforme à ce qu'il devait être. Ils ont eu un souci avec le fournisseur de manioc. Donc, elle m'a expliqué ça clairement. Et puis, moi, pour moi, ça s'arrêtait là. Elle m'a dit non, ne consomme pas. Je vais te renvoyer un autre carton. Hein? J'ai dit, c'est une Africaine. Enfin, on a nos défauts, il ne faut pas qu'on va le cacher. On n'a pas le service à la clientèle. On n'a pas le service après-vente. C'est des choses qu'on ne veut pas. On aime tellement l'informel. J'ai dit, mais ça va te coûter cher. Elle dit, mais même ça me coûte cher. C'est ça qu'il faut. Tu n'as pas été satisfaite de ton produit. Tu as bien fait de m'informer. Je ne savais même pas comment l'appeler, même pour lui dire. Je dis, ça là même, peut-être qu'elle va penser que. Donc, je suis resté là pendant 2 ou 3 jours. Mais ça là, est-ce que. Ça... Et puis finalement, je l'ai informé. Mais moi, je l'avais informé dans l'intention qu'elle améliore. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise. Non, je te rabouche. Et j'ai reçu mon carton quand c'est arrivé. On m'a livré le carton. Je n'ai pas déboursé un franc. Elle m'a remboursé le nombre exact de sacs, de boules que j'avais commandé. C'était 10 boules, je pense, dans un carton. Vraiment. Je tiens à la féliciter et puis je peux parler de ça parce que j'ai fait cette expérience-là personnellement. Et donc, Élise, après, entre en contact avec Franck Kwame, qui est dans le groupe que tu connais, et puis tu vas te faire représenter sur ce marché-là parce que c'est fabuleux ce qu'il propose. Et puis, ça pourrait permettre que ceux qui sont, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique, puissent avoir accès à tes produits parce que c'est très bon. C'est très bon. Donc voilà. Quels sont tes derniers mots, frère? Ok. Bon, ici, l'objectif de cette interview, c'était pour présenter à la communauté et à ceux qui tournent autour de la communauté qu'il y a une plateforme appelée OBV Market, qui est une boutique en ligne où on peut faire des achats. Mais quand tu fais les achats, l'équipe s'occupe du reste et puis on te rend compte. Voilà, donc,
Ici, nous voulons présenter l'excellence qu'on a apprise ici, en dehors de la Côte d'Ivoire, surtout en ce qui concerne le service client. Il est dit, et c'est logique, que c'est facile de garder un client ancien que d'en chercher un nouveau. Et c'est pourquoi l'exemple que tu viens de citer avec Atcheke Choco va très bien dans le sens. Si elle te rembourse, ce n'est pas parce qu'elle va perdre quelque chose. Au contraire, elle va gagner avec toi pour toujours. Oui, pour toujours. Voilà, voilà, Parce voilà, que voilà c'est à peu près. témoignage, je vais le rendre toujours. Ça, là, Voilà, c'est... voilà la philosophie ou la psychologie qui est derrière ce service client-là. D'aucuns ne comprendront pas ça. Mais bref, ici, c'est pour dire à toute personne qui tomberait sur cette vidéo-là de savoir que nous avons donc cette boutique pour la communauté africaine et ivoirienne. Pour le moment, certes, la boutique fonctionne en Côte d'Ivoire généralement, mais d'autres prototypes peuvent naître dans d'autres pays plus tard. Donc, on vous invite de visiter la boutique au BV Market, d'en faire un choix de supermarché et faire vos achats pour que nous nous servions de vos colis, de vos paniers pour livrer à vos proches. Et avec assurance. En Côte d'Ivoire, généralement à Abidjan et puis à l'intérieur du pays. Bravo. Voilà. Bravo, vraiment, merci beaucoup à vous qui avez été avec nous aujourd'hui. Bonjour, Nieto Dominique. Ok, je vais vous envoyer ça tout à l'heure, là, quand on va finir l'émission, je vais vous envoyer ça là, en commentaire. Bonjour. Vamo, bonjour. Vamo dit, monsieur, vous vous adressez à tous les Ivoiriens sans distinction aucune, alors que la personne qui est devant vous catégorise les Ivoiriens en traitant certains de vrais Ivoiriens et d'autres d'étrangers. Ça n'engage que vous, monsieur. Ça n'engage que vous. Ah donc, merci beaucoup à vous tous qui avez été là. On va se donner rendez-vous pour une autre émission, pour une autre... possibilité de présenter quelqu'un qui apporte sa brique à notre communauté, parler de cette émission autour de vous, parler de ce produit OBV Market autour de vous. Tout le monde va y gagner parce que vous aurez, sans le savoir, contribué à apporter une brique à la construction de notre communauté. Merci Merci. beaucoup, Monsieur Babéo, d'avoir été avec nous. On se dit à bientôt. Merci beaucoup. Bye Bonne journée, bon week-end. bye. Merci. Bye. Merci.